Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Yann5 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Tournament of Pokébot 5 Welcome to Galar pour le groupe B. Cette fois-ci, moi-même face à Linky. C'est parti! Je lead avec Pandarbar face à Minotaup. Et Linky switch sur le ruban vert, pensant moi j'ai fait close combat comme un couillon dans le vide. Mais, il me semble que c'était le premier match que j'avais fait de Shodan depuis un moment. Donc ouais, on m'excusera. J'ai switch donc sur Aflamonor, je me suis pris la City Web. Et ça fait U-turn sur Dementa pensant moi. J'ai fait sabotage, j'avais prédit le switch. Et ouais. Je switch donc sur mon Archiduc. Malheureusement je baisse ma vitesse. L'ébullition va me brûler, me semble. Effectivement, de souvenir, ça m'avait brûlé. Et là, mon archiduc est dans la merde. Pensant Linky switch sur son Pokémon, pensant moi j'augmente mon attaque pour compenser. Et voilà, je me prends Moonblast qui m'enlève 32%. J'ai été greedy et j'ai réaugmenté mon attaque pour être sûr de vraiment faire des dégâts avec la brûlure. Je savais pas si j'allais faire des dégâts, je me reprends pouvoir lunaire. 32%, je fais Tis Ombre, cela ne met pas KO malheureusement. Et là, du coup, j'étais assez dégoûté et je n'ai pas d'attaque prioritaire. Je crois si j'ai Shadow Sneak. Non, je n'ai pas fait Shadow Sneak. Malheureusement, du coup, mon Archiduc aura servi quasiment à rien à part gratter. J'envoie donc mon Dementa qui va se prendre par Aspore, mais cela rate. L'ébullition qui va mettre KO le Rubombelle. Ça envoie donc K-Morse. Je switch sur mon. Sur mon Pandora, pardon. L'abri qui va dans le vide, ça switch. Sur Galopa de Galar qui spawn Dark Lariat et je me prends malheureusement Kalinry. Je pensais qu'il allait switcher ou que j'allais être plus rapide, je ne sais plus. J'envoie donc mon Dementa, ça augmente son attaque. Malheureusement, Linky a été assez greedy. Je fais vent violent et cela le met KO. Du coup, combat de Dementa, j'utilise toxique. Pensant, j'utilise Laser Glass, cela n'enlève que 15%. J'aurais pensé plus. Et ça fait atterrissage. Et là a commencé le combat le plus long que j'ai pu faire depuis un moment sur Pokémon Showdown. Cela met KO, le confusion, pardon. Cela fout la confusion avec mon vent violin. Je switch sur mon. Quand ce Minobelus, voilà, je Dynamax. Là a été mon erreur. J'ai Dynamaxé beaucoup trop tôt. Je me prends la toxique. J'utilise l'attaque Dynamax de type Dragon qui baisse l'attaque du Dementa, ce qui ne sert à rien. Pour l'instant, il est blessé avec la confusion. Je fais cette fois-ci l'attaque haut. Et là, il fait ma deuxième erreur. Il a Lavabo. Ou Absorbo. Absorbo, surtout sur ce point. Et on peut voir que j'étais dégoûté dans le chat. Du coup, mon Dynamax est parti dans le vide. Ouais. J'étais dégoûté sur ce point. Du coup, bah là, voilà. Je me prends un vent violent qui rate. Je fais Dracoque parce que je savais que ça ne servait à rien. K-Morse. Il me semble que là j'ai switch de Pokémon. Ou j'ai utilisé autre chose. J'ai fait repos pour enlever mon poison. Je me prends une attaque Laser Glass qui m'enlève 12%. Cela ne suffit pas. Pensant j'ai fait Blabla Dodo qui va sur repos. Du coup bah ça n'aurait servi également à rien. Linky re-switch sur son Dementa et moi je switch sur mon Toco Toro. Qui pose le champ herbu. Je me prends toxique maintenant. J'y suis dégoûté. Je pose le bulk up. Je ne pense pas que j'allais être plus lent. Je me prends un vent violent. Heureusement que je l'ai esquivé. J'utilise en cornebois cela met KO le Dementa. Sur ce point j'étais content. Cela envoie donc K-Morse. Je me dis que je suis plus rapide que K-Morse quand même. Je refais en cornebois, malheureusement Kamer s'est protégé avec abri. Le poison commence à, gentiment à me faire dégâts, à me faire mal. Laser Glass, malheureusement je pensais que j'étais plus rapide. Mais non, la Sticky Web m'a beaucoup baissé ma vitesse. Il me semble que ça baisse de moins 2, donc je pensais vraiment pas être aussi lent. Ça envoie le Noir Fang. Et là, c'est le combat assez long. Le match a peut-être duré 45 tours de souvenir. Bon, le vent violent qui va dans le vide. Pensant blablado, bah non, ça ne sert à rien parce que je me suis réveillé. Le vent violent qui rate encore.
Je fais ébullition qui enlève 25%, cela brûle, ce qui est avantageux pour moi. Je me prends vent violent, 31%, la confusion qui est également présente. J'utilise ébullition encore. Lequel de ces deux Pokémon vaillants va-t-il battre l'autre? Et là, Linky a fait de la merde. Je crois qu'il avait misclic, qui m'avait dit. Il a fait anti-brume, ce qui m'avantage personnellement de ne plus avoir cette sticky web de merde. D'où le fait que j'ai mis MRC dans le chat. Donc, moi, je continue avec mes ébullitions. Et Linky continue avec ses vents violents, il me semble. Effectivement, bon, le fait d'avoir fait anti-brume a fait que je suis plus facilement touchable. Bon, pour l'instant, toujours le même combo. Et là, il fait atterrissage. Et je rage. Je ne suis plus confus, je continue à faire ébullition personnellement. Et le match va me rappeler celui entre Néo et Magikou, qui aurait directement le temps. Moi, je me dis, ça va être chiant, je fais Dark Oak. Et là, le Pokémon que je voulais arrive. Minotaur, maintenant, il switch sur Kamurst. Du coup, mon ébullition n'aura servi à rien, à part peut-être le bruit. Moi qui voulais juste battre un Minotaur, ben mon attaque est partie dans le vide. Donc, je décide donc de switcher sur Démantin, qui se prend Laser Glace 25% quasiment. Et bah là, vous pouvez rapidement voir que, sauf si je joue extrêmement bien, ce qui n'est pas vraiment le cas parce que je n'ai pas joué depuis extrêmement longtemps, le match est bouclé pour une des deux personnes. Je ne révélerai pas qui, bien sûr. LOL. Laser Glace m'enlève 25% de vie et les 18% du toxique, la brûlure du K-Morse. Je fais vent violent, j'essaie de gratter, coup critique 50% quasiment, ça m'a un peu fait plaisir sur le coup. Malheureusement, je meurs du poison et la brûlure ne suffit pas à mettre KO le K-Morse. J'envoie donc à Flamant Noir, je sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, j'ai fait Giga Sensu, c'est vrai. Et voilà, le deuxième Pokémon qui me faisait chier est tombé KO, ça envoie le Minotaur. Ça Dynamax le Minotaur et là je m'étais dit, je pense être plus rapide, malheureusement non. Mon Aflamme Noir tombe KO et mon pire Pokémon arrive, Milovelus, qui ne peut strictement rien faire. Je me prends l'attaque Dynamax de type acier qui m'enlève 32%. Je fais ébullition qui n'enlève que un quart de la vie du Minotaur, malheureusement. Cela n'aura pas suffi, je reprends l'attaque Dynamax de type acier, 31% également. Et bah je fais Draco que le Dynamax part. Ça envoie donc Noirfang, même pas. J'ai fait tête de fer, enfin je me prends tête de fer, je suis flinch, je me reprends une autre attaque et je tombe KO. Et c'est la victoire de Linky. J'espère du coup que ce combat vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vous dis enjoy.